Je te prie de mettre ta main sur ton cœur. Nous allons prier. Mon Père, mon Dieu, je veux te rendre grâce pour ta bonté. Merci pour ton extrême fidélité. Nous sommes assemblés, oh Dieu, au devant du trône de la vérité. Et je prie, Père, que tu accordes à tous ceux qui te regardent et t'écoutent la capacité de t'entendre, mais surtout de te comprendre. Que la vérité, avec toutes ses vertus curatives et instructives, éternelles, soit libérée par le canal que je suis. Ô Père, que ta parole apporte la restauration, la délivrance, la guérison, la bénédiction, la réorientation, le rétablissement, provoque le règne au nom suprême de Jésus. Père, béni sois-tu, car ta parole ne rentrera pas à toi sans avoir accompli pleinement ce pourquoi elle quitte le trône de la vérité. Honneur, règne, triomphe à toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen trois fois. Amen, amen, amen. Non, ta manière de dire Amen, ma belle. Donne-moi trois bons Amen. Amen, amen, amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence, tout en ayant en souvenance qu'Amen veut dire Ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais enseigner. Et après, prêcher et prophétiser sur le thème Le pouvoir de la filiation. Le pouvoir de la filiation. Cet enseignement va apporter à ton être une parfaite révolution intérieure, je te garantis. Tu es sur le point d'entendre une vérité qui va te faire basculer vers la hauteur. Tu ne vivras plus jamais en captivité. Et ta vie deviendra, de par la connaissance qui te sera transmise, l'illustration parfaite de la rédemption. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi Jésus est mort et risque d'entrer les morts, en te regardant vivre, vont apprécier justement cette œuvre. Eh bien, c'est quoi donc la filiation? La filiation est un lien de parenté unissant l'enfant à son père. Donc, on parle de filiation parce qu'il y a un lien de parenté qui unit un enfant à son père. Donc, rien que l'évocation de la filiation fait appel au rôle du père et celui de fils. La filiation est un lien juridique existant entre l'enfant et ses parents. Un lien juridique. Donc, il y a un lien juridique existant entre l'enfant et ses parents. Vous voyez, ce lien, suivez attentivement, génère des droits et des obligations réciproques. C'est-à-dire, parce que on est enfant, on a des droits en tant qu'enfant. Donc, un enfant de Dieu a des droits. Mais pas simplement l'enfant a des droits, mais le père a aussi des droits sur son enfant. Mais il y a pas simplement des droits, parce que beaucoup d'entre nous nous limitons aux droits qui sont les nôtres, mais il y a aussi les obligations. Donc, à partir de la filiation, nous sommes obligés. Il y a des choses que nous devons faire parce que nous sommes enfants de Dieu. Et des choses que Dieu doit faire parce qu'il est notre Père. Et ça, c'est vraiment important qu'on le comprenne. Il existe trois formes de filiation. Premièrement, la filiation légitime, qui est donc la conséquence du fait qu'un enfant naît d'une relation normale, une relation légitime entre un mari et une femme, d'accord, légalement. Là, on parle là de filiation légitime. Mais il y a aussi la filiation naturelle. Donc, il peut ne pas avoir de lien de mariage, mais naturellement, même si l'enfant a été conçu hors mariage ou alors un enfant adultérin né hors des liens de mariage, cet enfant naturellement, d'accord, reconnu par ses parents, voyez-vous, et donc il y a une filiation qui est établie, voyez, qui est établie. Il y a aussi la filiation par adoption. Donc on adopte, ce n'est pas l'enfant, mais on décide d'en faire son enfant d'adoption. Dans ce cas, pour le cas des humains, la personne adoptée n'a pas en lui l'ADN de ses pères, mais juridiquement, il jouit des droits qui sont réservés à cette famille parce qu'il a été adopté dans la famille. Alors, Dieu est un Dieu intelligent. Et il a créé le monde justement par son intelligence et sa sagesse. Et donc, c'est ainsi que la vie en société est régulée par Dieu le Créateur. Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils,
Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Vous voyez bien que malgré le fait que les anges soient puissants, malgré le fait que les anges soient forts, qu'ils soient surnaturels, je dis expressément qu'il n'a jamais qualifié un seul ange de fils. Il n'a jamais appelé un ange fils, malgré leur force. Jamais. Ça veut montrer ici l'importance que Dieu lui-même attache à la filiation, car il n'a jamais appelé un ange un fils. Pourquoi? Parce que Dieu comprend ce que c'est être un fils. Quand il a créé le monde avec son pouvoir absolu, il a voulu régenter le monde par son pouvoir ordonné. C'est-à-dire qu'il y a un ordre derrière la vie en société. C'est pourquoi vous verrez que le lion qui a été créé par Dieu pour perpétuer son espèce mettra bas et aura des petits qu'on va appeler aussi des lions. Donc ce sont des lions de la même nature. On se multiplie selon son espèce. L'éléphant mettra bas aussi aux autres éléphants. Même si on les appelle éléphantaux, ce sont des éléphants. Voyez-vous, de la même nature que l'éléphant. Idem pour la girafe, idem pour le buffle. Et Dieu lui-même, s'il doit se reproduire, il va donc engendrer, voyez-vous, des dieux. Parce que les hommes eux-mêmes, quand ils se reproduisent, ils engendrent des hommes. Donc on se reproduit selon son espèce. C'est une loi divine. Donc c'est très important qu'on le comprenne. Et c'est dans ce sens que dans Jean 1,12, il est écrit, disant à tous ceux qui l'ont reçu, je veux bien, c'est très profond, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voyez-vous, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On peut continuer même la suite, lesquels sont nés. Voyez, continuons, verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Là, la Bible parle d'une filiation légitime. Là, nous sommes engendrés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. À partir de ce moment, nous avons donc en nous l'ADN de Dieu. Nous avons les chromosomes de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. C'est une filiation légitime parce que Dieu nous a engendrés. C'est bien important de le comprendre. Très, très important. Vous allez voir que chaque fois qu'il est question d'évoquer notre divinité, Satan n'est pas content. Non, il ne veut pas que tu évoques ta divinité. Pourquoi? Parce qu'en évoquant ta divinité, tu prends conscience de tes capacités. Tu prends conscience de qui tu es. Tu prends conscience de qui tu es, ce que tu es capable de faire sous le soleil. Il va bien vouloir que tu t'identifies comme étant membre d'une communauté, membre d'une religion, membre d'un mouvement, fils spirituel de tel prophète, fils spirituel de tel bishop. Mais difficilement, il voudrait que tu t'identifies justement à Dieu en tant que fils, que tu évoques le pouvoir de ta filiation. Mais tu es un enfant de Dieu. Lève ta main et déclare, je suis un enfant de Dieu. Encore! Alors, de la même manière que vous voyez que le lionceau a des aptitudes qui sont rattachées au fait d'être engendré par un lion, et que l'homme a des aptitudes, un enfant d'un homme a des aptitudes rattachées au fait d'être engendré par un homme. Si donc Dieu t'a donné naissance, la capacité qui est en toi n'est pas une capacité humaine, c'est une capacité divine. Déclare encore après moi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Mais regarde ce que la Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Voyez donc, c'est sa divine puissance, sa nature en nous qui nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Là, voyez-vous, c'est clair, la nature divine est en chacun d'entre nous, la nature de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu as la nature de Dieu en toi. Ça peut sembler ne pas être ça, parce que tu te regardes simplement d'un point de vue naturel. Mais Dieu veut que tu comprennes qu'au-delà de ton corps qui n'est que l'habitacle, qui n'est que la maison, qui n'est que la tente qui t'abrite, à l'intérieur se trouve effectivement le Dieu que tu es devenu. Oui,
Si tu as été engendré par Dieu, alors tu es un Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Avant, le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Dis après moi, je suis son Dieu. Encore. Et c'est pourquoi je t'ai interdit de mourir simplement comme un simple homme. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 82, verset 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Dieu dit, vous êtes des dieux. Alors, est-ce que vous savez qu'au commencement, quand Dieu a commencé cette histoire de l'humanité, et qu'il a établi l'homme comme étant le gouverneur de la terre, il a établi l'homme gouverneur de la terre, mais avec la nature divine. Genèse 1, verset 26 à 28. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme a été créé à l'image de qui? Allez, répondez-moi s'il vous plaît. De Dieu. Et à la ressemblance de qui? De Dieu. Alors, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En d'autres termes, il est impossible de dominer sur la terre si on n'a pas la nature de Dieu. Impossible. L'homme qui dominait sur la terre avait en lui la nature de Dieu. C'était en Dieu, mais sous la forme humaine. Et c'est ça tout le mystère de la piété. Dieu qui apparaît sous forme humaine. De façon que si quelqu'un te regarde, si quelqu'un te voit faire, si quelqu'un te voit agir, il voit exactement quel est le caractère, la puissance et la force de Dieu qui s'exprime au travers d'un être humain. Quelqu'un dit encore amen. Amen. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pourquoi, quand vous regardez le jardin d'Éden, vous pouvez voir les exploits d'Adam. Adam voit tous les animaux. Il dit, toi, tu es le lion. Toi, tu es le chimpanzé. Toi, tu es la perdrix. Toi, tu es la tortue. Il n'a pas d'ordinateur. Il n'a pas de bic. Mais il est quand même à même de donner tous les noms. Aujourd'hui, on a des personnes incapables de retenir 10 versets bibliques un matin. Parce que quelque part, la mémoire est en train de saturer. Ce n'est pas la vie de Dieu. Non. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Non, la vie de Dieu te donne les aptitudes de Dieu. Dis encore amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on puisse donc avoir les êtres humains tombés sous le Covid. Petit Covid a terrassé des gens. Petit paludisme. La morsure, voyez-vous, des insectes. Les petits moustiques viennent et te piquent et tu meurs. Alors qu'au départ, tu devais dominer même sur les insectes. Ça veut dire qu'aucune morsure de piqûre de moustique ne pouvait être, de serpent de moustique ne pouvait te causer un problème. Pas du tout. Mais aujourd'hui, tu tombes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la déchéance. Parce que l'homme, justement, a connu la déchéance. La déchéance de sa nature. Il a perdu sa nature de par la rébellion à Dieu. L'homme a péché et il a introduit la loi du péché et de la mort. Et c'est ainsi que le règne de la mort, d'accord, a connu son influence sur la terre des hommes. Alors quand nous parlons de la rédemption n'est donc pas une œuvre qui consiste à apprendre l'homme et l'amener au ciel. Non, non, parce que si Dieu le fait, c'est comme si quelque part il a échoué par rapport au projet de la terre. Non, pas du tout. Donc la rédemption, ce n'est pas de ramener l'homme au ciel. Non, parce que, écoutez bien, c'est une révélation, notez-le. Avant, depuis qu'Adam a chuté, il n'y a pas eu une autre personne qui a vécu avec la dynamique de la vie de Dieu. Tous ont vécu avec voyez-vous, ayant perdu la dynamique de ce potentiel qui était en l'humain. Donc quand Jésus arrive, il veut restaurer justement ce potentiel en l'humain et permettre ainsi aux hommes de manifester sur la terre ce que la terre n'a pas vu. Donc, tu ne peux pas seulement être là en train de dire, je vais aller au ciel. Non, parce que Dieu veut montrer au travers de ta vie ce de quoi il est capable. Regardez dans Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Donc, quand je parle de la mort, nous parlons de cette loi du péché de la mort qui a fait entrer les malédictions, la pauvreté, la maladie, les guerres et les choses semblables. La souffrance, la misère. Ces choses sont entrées sur terre parce que l'homme a péché. La Bible ici parle l'offense d'un seul. La mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, qu'est-ce qu'ils feront? Ils régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est-à-dire que Jésus ici nous fait savoir par les Écritures que sa venue sur terre est le rétablissement de notre règne. Alors je prophétise que tu es rétabli dans ton règne, dans le couloir de ton appel au nom suprême de Jésus. Que ce soit dans la politique,
que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la religion, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la science, quelle que soit la montagne de ta destinée, que ton règne soit rétabli au nom suprême de Jésus. Cela est du ressort de la juridiction de Dieu. Ce sont des choses que Dieu a arrêtées d'avance. Et il dit, celui qui reçoit Jésus-Christ reçoit donc le don de la grâce, voyez-vous, et le règne dans la vie. Alors, tu dois régner. Tu dois régner. Et il faut bien comprendre que la restauration de notre position, de par la rédemption a coûté à Dieu, que dis-je, au conseil de Dieu, son engagement total. Le Père est allé vers le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils est allé vers le diable. Le Fils de l'homme a paru afin d'être les œuvres du diable. Et le Saint-Esprit a quitté son trône pour descendre, confronter ta chair et habiter ton corps. Ça a tellement coûté à Dieu, cette rédemption totale, que tu ne peux pas te permettre de continuer de vivre comme un esclave. Tu n'es pas un esclave. Dis après moi, je ne suis pas un esclave. Dis-le bien encore, je ne suis pas un esclave. La vie de Dieu est en moi. Regardez 1 Jean 3, verset 1. C'est pas moi qui le dis. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. Et la Bible dit quoi? Et nous le sommes. Dis, je le suis. Il y a une certaine doctrine qui t'a fait croire qu'on va le devenir. Non, frère, si toi tu vas devenir, moi je le suis déjà. Amen, je veux voir la main de ceux qui disent, je suis enfant de Dieu. La Bible ne ment pas. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. En d'autres termes, écoute-moi bien, celui qui t'a vu a vu le Père. Parce que la Bible dit, si le monde ne te connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc ceux qui connaissent Dieu, quand ils te voient, ils savent que tu es de Dieu. Si quelqu'un voit un lionceau et ne connaît pas le lionceau, c'est qu'il ne connaît pas le lion. Et donc je vais encore plus loin. Quand un bébé est bébé, on n'attend pas qu'il ait 25 ans, 30 ans pour avoir la nature d'un homme. Un bébé est déjà un homme. Non. Et sa nature est déjà là. Il a une nature d'homme. Amen. Un lionceau a déjà la nature de lion. Ce n'est qu'une question de temps. Une question de temps dans sa croissance et la révélation de sa domination. Et de la même manière, quand tu es né de nouveau, que tu es un mois, que tu es un jour, que tu es une semaine, que tu es un an, que tu es deux ans, la nature de Dieu est déjà en toi. Et je suis en train de dire prophétiquement au monde d'observer et de regarder, parce que ton processus de croissance est en marche et tu ne quitteras pas la terre sans avoir révélé cette divinité que tu incarnes. Quelqu'un dise après moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un Dieu. Je le suis au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. C'est une affirmation terrible. C'est une affirmation de foi. Elle est audacieuse. Et je vais vous dire une chose. La vie réussit à ceux qui ont l'audace. La vie réussit à ceux qui sont courageux. Ah oui. Oui, la vie est une belle promesse, mais qui ouvre ses bras à ceux qui ont le courage de l'affronter. Alors tu dis, je le suis, tu es un enfant de Dieu. Alors c'est ça que Jésus lui-même, notre modèle, notre grand frère, notre Seigneur a fait. Il a passé le temps à affirmer ce qu'il était. Et c'est à cause de cela qu'on l'a attrapé pour le faire mourir. Jean 5, verset 18. La religion n'aime pas ça. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père. Waouh! Il appelait Dieu son propre père. Se faisant lui-même égal à Dieu. Non, égal à Dieu dans la nature. Parce que s'il est fils de Dieu, s'il a la nature de Dieu, alors lui aussi il est un Dieu. Donc il se fait égal à Dieu. Et le problème c'est que les gens ne lisent pas bien leur Bible. Un fils est égal à Dieu. Et Dieu n'a jamais voulu être le seul qui règne. C'est pourquoi il a fait le ciel de son trône et la terre son marchepied. Et il a donné la terre comme héritage au fils de l'homme pour que tu règnes sur la terre. Donc Dieu n'est pas là pour que ce soit une assemblée de petites personnes qui sont comme des criquets avec une mentalité de crabe qui sont là autour. Papa, je t'aime. Papa, tu es grand. Papa, tu es ceci. Toi, seul, tu peux faire les choses. Non, Dieu n'aime pas ça. Il aime les personnes qui osent. Les personnes qui prennent leurs responsabilités. Les personnes qui comprennent leur identité. Et qui disent, papa, sur la terre des hommes, je révélerai qui tu es. C'est de ça qu'il s'agit.
L'église n'est pas une assemblée de personnes qui ont démissionné par rapport aux responsabilités terrestres. Mais bien au contraire, les personnes qui se sont engagées à manifester sur la terre, les hommes, la plénitude de l'authenticité de la vie qu'on n'a pas connue sur terre, mais que seules les personnes en contact avec le divin peuvent révéler parce qu'ils ont en eux ça. C'est en toi. Dis encore amen. Donc c'est très important. Et c'est pourquoi, vous voyez, Dieu dit, Luc 1, verset 37, tout est possible à Dieu. Lève ta main si tu crois que Dieu peut tout faire. En levant ta main, je suis en train d'annoncer la défaite de toute adversité dans ta vie. La défaite de toute impossibilité. Les barrières s'ouvrent, les portes s'ouvrent dans le nom suprême de Jésus. Les embargos sont levés au nom suprême de Jésus. Ce qui hier était impossible devient possible. En levant ta main, le ciel atteste par la puissance extraordinaire que les choses rares doivent arriver. Tiens encore ton meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Maintenant, écoute-moi, c'est toi maintenant. Tu sais, Dieu n'a jamais voulu être la seule personne capable de tout faire. Ça fait partie de sa générosité. Il a voulu partager avec toi et moi cette habileté. C'est ça que dans Marc 9, verset 23, il dit, tout est possible à celui qui croit. Ah ouais, c'est vrai, on dit Dieu peut tout faire. Mais le drame, c'est que nous nous refusons de croire que nous aussi, nous pouvons tout faire. Vous savez qu'il faut de la foi pour affirmer que je puis tout par Christ. Ah, moi, je puis tout par Christ. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais moi, je puis tout par Christ. Je sais que tout m'est possible. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc, quand tu le crois, vous savez, l'affirmer est la résultante de la conséquence de la foi. Croire. Quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te donne un rêve, quand Dieu te missionne dans un secteur, il est important que tu crois et que tu aies l'audace de l'affirmer. Tu es un fils de Dieu. Et je te garantis, tu verras comment est-ce que tout va se mettre à ta disposition parce que tu as eu l'audace de le dire. Et vous savez, je ne comprends pas comment les gens lisent leur Bible. Quand vous regardez dans la forêt, vous voyez le lion, quand le lion arrive, le lion a une manière. Parce que, vous voyez, le lion a une manière de marcher. Quand vous voyez les lions, ils marchent de la même manière. Ils ont une crinière. Ils marchent avec insolence, avec assurance, avec audace. Ils marchent. Alors, que ce soit la girafe de taille, grande dans la brousse, dès qu'elle voit le lion, elle commence à fuir parce qu'elle connaît le lion. Elle connaît le lion. Même quand ce sont les éléphants, avec toute leur masse, les éléphants commencent à fuir. Le lion n'a peur de rien. Même le crocodile, dans l'eau, il amène la griffe, il fait sortir parce qu'il est le roi. Il impose. Il impose à cause de son audace. Et c'est pourquoi Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Il marche avec assurance. Il pose ses pas et il ne recule pas. Et toi et moi, nous sommes dans la troupe du lion. Et le lion est devant. C'est lui le mâle dominant de la troupe. Et nous sommes derrière en le suivant. Le drame, c'est que beaucoup disent, ah oui, Jésus est le fils de Dieu. Il était le fils de Dieu jusqu'à la mort. Mais quand il est sorti de la tombe, il n'est plus le fils unique de Dieu. Il n'est plus unique. Parce que nous sommes au moins deux. Il y a Jésus et il y a Wafo. Je ne sais pas ce qui te concerne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, il y a une troupe. Jésus n'est pas seul. Il marche devant, mais il y a un compagnon. Il y a des compagnons derrière, avec la crinière, qui avance et qui ne recule pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand c'est compliqué, le lion... Les animaux, la bouche reste calme parce que le lion arrive. Je suis en train d'entendre ton rugissement dans le domaine de ton appel. Les gens tremblaient à cause de ta présence. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Le singe pouvait jouer au malin, mais dès que tu arrives, il est obligé de monter rapidement dans les arbres, de se cacher parce que tu arrives. Les antilopes commencent à gambader parce que le lion est en train d'arriver. Dans sa démarche, amen, dans son assurance, dans son élégance, dans sa puissance, dans sa force, il n'a rien fait pour ça. C'est sa nature. La nature l'a doté de quelque chose de particulier. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a le pouvoir. Ce n'est pas ta faute, c'est le pouvoir qui t'a été donné. C'est la nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Ce n'est pas ta faute. Cette habileté, cette capacité, cette force, cette divinité, ce n'est pas ta faute, c'est ta nature. Dieu l'a voulu ainsi et personne ne peut l'arrêter. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Et c'est quelque chose qu'on verra. Vous n'êtes pas fatigué?
d'une génération de personnes qui disent qu'ils vont à l'église, mais qui sont toujours derniers en société, qui tremblent devant les petits sorciers du village. Il est temps que la terreur change de camp. Il est temps que la puissance de Dieu soit visible. Il est temps que la gloire de Dieu soit manifeste. En ce qui me concerne, je ne quitterai pas la terre sans avoir révélé ma divinité. Je ne sais pas si ça te concerne. Dis-le sur ta propre vie. Dis-le sur ta propre vie. Je ne quitterai pas la terre sans avoir révélé ma divinité. Frère, il faut de l'audace, il faut de la foi pour l'affirmer. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il te donne simplement d'avoir la foi et c'est lui qui fait le reste. Le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ta personne, c'est la valorisation de ton être. Il ne faut jamais te mépriser. Si Dieu a dit que tu es quelqu'un, tu es quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On s'en fout de ce que ton père était au village, de la petite maison de ton grand-père au village. Tu es véritablement entré dans ta famille pour montrer que les choses ont changé. Ta divinité n'a rien à voir avec la condition sociale, mais avec la nature qui est en toi. Donne-moi ton meilleur amen. C'est bien pour cela que notre roi, quand il naquit, il n'a pas eu de palace au départ. Il est né dans l'état pour montrer que notre divinité n'a rien à voir avec l'apparence, mais c'est d'abord ce que nous sommes à l'intérieur. Quelqu'un dit, je suis son Dieu et je ne mourrai pas comme un esclave. Déclare encore. Alléluia. Et vous savez, dans cette filiation, asseyez-vous, dans ce pouvoir de la filiation, il y a la capacité légale à entrer dans la présence de ton Père. Oh, c'est extraordinaire. Beaucoup de personnes, quand elles prient, elles ont comme l'impression que c'est un rituel où elle est en train de supplier Dieu et peut-être que s'il veut bien, il va nous recevoir. Non, nous avons un libre accès auprès de Dieu. Alors, le libre accès, ce n'est pas seulement parce que nous avons été corrects. Le libre accès, c'est en tout temps. Et il dit que si vous devez vous approcher auprès de son trône pour obtenir miséricorde et être secouru dans vos faiblesses. Ça veut dire que même quand il y a un problème, le meilleur endroit, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Tu vas devant Dieu, il te connaît, tu es son enfant. Regardez le comportement des enfants. Il dit, si votre foi n'est pas comme celle d'un petit enfant, vous n'entrez pas dans le royaume. Un enfant, quand il a un problème, premier réflexe, papa, papa, il sait très bien qui est son père. Tu ne peux pas t'attaquer à un enfant quand son père est à côté. Le type de courage que l'enfant a, parce que papa est à côté. Et souvent, tu vois l'enfant chercher par là-bas, oh, monsieur, qui peut donner un coup de poing terrible à son père. Et il est là, il sait que son père va tirer. Pour l'enfant, le père est un champion. Amen. Pour l'enfant, papa est un champion. Et c'est pourquoi Dieu veut que toi, tu confesses de ta bouche que ton père est un champion. Et c'est pas simple. Et c'est une vérité, il est un champion. Ton père est un champion. Tu dois l'affirmer. Mon père est un champion. Et il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que pourra te faire un homme? Que les gens brandissent leur appartenance au sept, leurs fétiches, leurs canaries, leurs alliances sataniques. On n'a pas peur de ça. On n'a pas peur de ça. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est en nous, la nature que nous avons. Personne ne peut rien nous faire. Ne sois pas intimidé. Ne sois pas intimidé. Ne sois pas intimidé. Alors, pas du tout. Vous voyez, quand on a cette mentalité, on va vite, on va loin. On va vite, on va loin. D'ailleurs, la prière que Jésus nous enseigne est une prière terrible, profonde, mystérieuse. Que seuls les initiés comprennent profondement. Vous voyez, la quintessence des paroles qui ont été dites. Regardez comment il dit, voici donc comment vous devez prier, Matthieu 6, verset 9. Vous devez prier, il dit, notre Père qui est aux cieux. Waouh. Notre Père, vous voyez, Jésus est très, très, très fort. Notre Père, pourquoi? Parce qu'il l'inclut en disant, il n'est pas mon Père à moi seul. Notre Père. Et, vous voyez, il a dit, notre Père, comme vous dites, celui qui est mon Père est aussi le vôtre. Comme le Père m'a aimé, il vous a aussi aimé. Notre Père qui est aux cieux. Alors que ton nom soit sanctifié. Quand on dit Père, premièrement, vous devez comprendre que Père vient du mot Abba. Abba qui veut dire source. Donc Dieu dit, quand tu pries, n'oublie pas, je suis ta source. Il ne faut pas penser que c'est la société où tu travailles qui est ta source. Non, 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 non. La société dans laquelle tu travailles est le relais de ta source.
Ton patron n'est pas ta source, ton mari n'est pas ta source, Dieu est ta source. Ta femme n'est pas ta source, Dieu est ta source. Notre Père qui est aux cieux. Donc c'est de lui que tu dois dépendre. Tu dois dépendre de ton Père, c'est de lui que tu dépends. Pas d'une relation, non. Dans ta vie, il y a des gens qui vont entrer, il y a ceux qui vont sortir. La vie est faite de saisons. Mais il ne faut pas être là en train de pleurer. Oh, tellement lâché. Non! Tout le monde n'est pas, ne doit pas rester avec toi jusqu'à la fin du parcours. Parce que c'est comme, voyez-vous, un bus qui a des stops. Il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui entrent. Ne pleure pas pour ce qui est descendu. Célèbre ce qui est en train d'entrer et continue ta marche. Ton Dieu est extraordinaire. Notre Père qui est aux cieux. C'est ta source. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ta source. Ah papa, tu comprends pas, mais non, moi c'est grave. C'est 2 semaines avant le mariage que le gars m'a lâché. Notre Père qui est aux cieux. Vous savez, Dieu t'aime tellement qu'il ne permet pas à n'importe quel flemmard de mettre la bague sur ton doigt. Parce qu'il t'aime tellement, le gars devait sortir. Notre Père qui est aux cieux. Ne t'arrête pas à cette station, continue ta marche. Là devant, le vrai prince va entrer dans le bus de ta destinée et tu vas commencer à danser le départ de celui que tu pleurais hier. Dis à ton voisin, la vie est une belle surprise. Encore, la vie est une belle surprise. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Dis encore amen. Je vois quelqu'un danser par la grâce. Ah, oh yes, Lord. Ta source est intarissable. Ce ne sont pas les sources qui sont influencées par le soleil. Intarissable. Tu puisses, jamais ça ne peut tarir. C'est ce type de source à laquelle tu es alimenté. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Ensuite, Dieu, quand il dit de l'appeler Père, c'est qu'il veut que tu comprennes qu'il est responsable. Il a des responsabilités. La filiation, on a parlé de responsabilités et d'obligations. Vous savez que dans un bon pays, vous vous abandonnez votre enfant, on vient le prendre, parce que normalement, vous n'avez pas le droit. Vous avez des obligations et vous voyez, des responsabilités vis-à-vis de l'enfant. L'enfant doit aller à l'école, l'enfant doit manger, c'est la responsabilité des parents. Dieu est responsable. Il y a des responsabilités qui sont saines. Il dit, quand tu pries, dis, notre Père, il prendra soin de toi dans tous les détails. Il dit, même les cheveux de ta tête sont comptés. Alors je te lance un défi. Connais-tu le nombre des cheveux de ta tête? Personne, non. Mais Dieu les connaît. Ça veut dire qu'il prend mieux soin de toi que toi-même. Il connaît tous les détails au millimètre près de ta vie. Parce que c'est lui qui l'a façonné. C'est lui qui a préparé cette vie. Il est tellement responsable qu'il a pourvu à tout ce dont tu as besoin afin que le besoin arrive. Et quand le besoin se lève dans ton cœur, c'est l'indication que la provision est en train d'attendre. C'est un Dieu responsable. La responsabilité. Ensuite, il y a la ressemblance. C'est à Dieu que nous ressemblons et à personne d'autre. Nous ressemblons à Dieu. Écoute-moi bien, n'imite jamais ton prophète ou ton pasteur si lui-même n'est pas un imitateur de Dieu. Ah, nous ne sommes pas venus à l'église pour imiter le pasteur du coin. On est venus à Dieu parce qu'on veut imiter Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas une affaire de village, ce n'est pas une affaire de clan, ce n'est pas une affaire d'ethnie, ce n'est pas une affaire de couleur de peau, c'est une affaire de vie. Alléluia. Et on voit des gens qui sont ensemble à cause. Non, non, non. Il faut la dynamique de la ressemblance à Dieu. Pendant qu'à bord, je vous expliquais les deux onctions. Comment est-ce qu'elles. Parce que Dieu m'a parlé fortement là-dessus. Cette onction qui sort de la délivrance et celle qui amène à la royauté. C'est deux choses totalement différentes. Et on est là, on est toujours là, comme des gens qui, avec une mentalité, des gens toujours attachés, toujours en train de demander à sortir de la délivrance. Mais après ça, quoi? Nous ressemblons à Dieu. Dis, je ressemble à Dieu. Je ressemble à Dieu. Encore. Je ressemble à Dieu. Et un autre point important. Quand il dit notre Père, ça veut dire qu'il dépend de nous. Ça veut dire quoi? Il dépend de nous. Donc quand nous venons devant Dieu, on ne vient pas seulement parce que Dieu, on a envie de quelque chose. On vient parce qu'on sait qu'il y a une responsabilité. Dieu attend que nous fassions des choses. Alors dans notre temps de prière, nous venons prendre l'énergie dans notre source pour être à même de faire ce à quoi il nous a appelés. C'est ça aussi la responsabilité. Alors les petits enfants, ils sont toujours en train d'attendre qu'on leur donne. Mais quand vous grandissez, vous allez plus loin. Vous commencez à vous dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu commences à prier par encore des choses que tu vas recevoir, mais des sacrifices que tu as faits. Oh Père,
si c'était possible que cette coupe me soit ôtée. Cependant, non ma volonté, mais la tienne. Alors c'est ça un vrai fils. Un fils révèle la grandeur de son père. Un fils demeure toujours dans la maison de son père. Un fils perpétue la mission de son père. Alors qu'un esclave, il ne fait pas la même chose. Alors qu'un mercenaire, il vient à la maison, il mange. Quand il mange, quand le père dit, il a déjà fui. Parce que c'était pas, il n'avait pas l'ADN. Mais quand le fils est sorti et il part, même quand il part, il finit par revenir. Parce qu'un lionceau qui sort de la troupe, ou un lion qui sort de la troupe, va toujours tout faire pour revenir au milieu de la troupe des lions. Parce qu'il ne peut pas s'épanouir ailleurs. Vous n'allez pas retrouver un lion en train d'être compagnon des chimpanzés. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est votre fils est votre fils. Demande le meilleur des amens. Quelqu'un qui est votre fils est votre fils. Le fils demeure toujours dans la maison. Et voyez, les gens sont là. On a plus une génération de personnes qui servent Dieu pour les choses qu'elles vont posséder. Mais pas le sang de sacrifice. Et même dans la communauté, même dans nos églises, on voit aujourd'hui des gens qui sont là juste pour ce qu'ils prennent. Ils veulent des choses pour eux. Mais non pas le sens du développement de la vision, la construction du rêve divin. Un fils travaille pour le développement de la vision. Regardez bien Jésus. Vous avez vu le Père aller à la croix? Jamais. On a fauté le Père? Jamais. Les fils d'aujourd'hui, ah, pourquoi ils m'envoient? Il faut qu'on vienne le fauter lui. Non. Le rôle du Père, c'est d'envoyer le Fils. C'est le Fils qu'on insulte. C'est le Fils qu'on... Mais en même temps, la gloire, toute la gloire repose sur le Fils quand il accomplit sa mission. Il a tout le soutien du Père pour pouvoir sortir victorieux du mandat qui lui a été assigné. C'est ça justement la responsabilité. Est-ce que Dieu peut compter sur toi dans ta famille? Est-ce que Dieu peut compter sur toi dans ton bureau? Est-ce que Dieu peut compter sur toi par tes affaires? Est-ce que Dieu peut compter sur toi en politique? Est-ce qu'il peut compter sur toi dans le sport? Est-ce que Dieu peut vraiment compter sur toi? Es-tu prêt à étendre le royaume de Dieu? La responsabilité. Et vous voyez, quand on parle de pouvoir, il faut bien comprendre quels sont les pouvoirs et les privilèges que nous confère notre filiation avec Dieu. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je parlerai de quatre pouvoirs et de quatre pouvoirs et privilèges que nous confère justement cette filiation. Numéro un, nous avons donc la vie de Dieu en nous. Quelqu'un dit la vie de Dieu. Encore la vie de Dieu. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et les mêmes, et qu'elles soient dans l'abondance. Dans cette vie, c'est la vie Zoé. Le type de vie de Dieu, c'est-à-dire la même nature de Dieu est en toi. Est-ce que tu le crois? La même nature. Dieu l'a déversée dans ton cœur. Cette vie est en toi. Alléluia. Elle est en toi. Elle t'habite. Amen. Deuxième privilège, nous avons le pouvoir de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir qui agit par nous, c'est un pouvoir divin. Jean 1:12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est un pouvoir de Dieu, c'est pas un petit pouvoir du petit marabout du coin, c'est un pouvoir de Dieu, puissant pouvoir. Vous savez, on n'a pas compris ça, et on est là, on se considère toujours comme dans l'Ancien Testament. Ah oui, le juste tombe cette fois et il se relève cette fois. Écoutez-moi bien, ce verset-là, c'est un verset de ceux qui n'ont pas la vie. Est-ce que vous savez que quand vous êtes né de nouveau, vous avez le pouvoir de ne pas tomber? Ah oui, tu as le pouvoir de ne pas tomber. Béni soit Dieu qui nous donne de toujours triompher en Christ. Le pouvoir qui est en toi te donne d'être toujours en triomphant. Écoutez, si tu m'as rencontré hier ici, demain tu ne me trouves pas là, j'avance. Quel que soit ce que les gens vont dire, j'avance toujours. Tous les jours je progresse. Je ne suis jamais sur place, j'avance toujours. Je vais toujours dans les hauteurs. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu qui est en moi me donne de toujours triompher. Il ne faut pas avoir une mentalité de quelqu'un qui est toujours en train de tomber, quelqu'un qui est toujours en train de jouer. Non, ce n'est pas ton cas. Regarde ce que la Bible dit. Jude 1, verset 24 à 25. Or, celui qui peut nous préserver de toute... On a dit quoi? Il peut faire quoi? Préserver de quoi? De certaines chutes? De toutes chutes. Lève ta main droite et dis-moi, mon Dieu me préserve de toute chute. Déclare encore. Alléluia. Et il dit, et vous fait paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Non seulement il te préserve de toute chute, mais il te donne de connaître la joie de la victoire.
d'être constamment dans la victoire. Pas le genre de croyants qui sont là avec les rides anticipées, les visages toujours froissés, comme si c'était un malheur d'être enfant de Dieu. Ah non, 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 je ne parle pas des gens. Vous savez, il y a des gens, ils ne vont pas en boîte, mais à l'heure de la boîte, ils sont fâchés. Parce que quand ils pensent à leurs amis, ils sont en train de danser, ils disent, hé, la fête de Dieu, c'est trop compliqué. Ils sont fâchés. Je parle de ceux qui ont reçu la vraie vie. Qui n'ont aucun problème d'avoir abandonné les maquis. Amen. Les raquettages illicites des poches des hommes. Non. Mais les personnes engagées véritablement. Donne-moi ton meilleur amen. Avec joie dans l'âme. Bénissant le Seigneur parce que Dieu les a sortis de là. Donne-moi ton meilleur amen. Regardons la suite. Il dit, oh, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Donc c'est un pouvoir puissant qui est en toi. Puissant qui te donne de vivre comme tu ne pouvais même pas imaginer. Ah non, mais ce n'est pas le gars-là qui était tout le temps en train de boire les nuits. Eh bien, non, sa divine puissance est en moi. La vie divine est en moi. Alors tu prends plaisir à dire non, c'est plus cette vie que je mène. Je suis une nouvelle création. C'est extraordinaire. Tu le témoignes véritablement. Je n'entre pas dans les compromis. Je n'emprunte pas ces voies. Je ne suis plus un pécheur. Je suis un racheté. La vie divine est en moi. C'est ça la vie avec Dieu. Et si ça persiste, alors tu utilises tes pouvoirs. Matthieu 28, 18, Jésus s'était approché et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu utilises tous tes pouvoirs. Ce n'est pas un petit féticheur du coin qui va te faire peur. Demande ton meilleur amen. Tous tes pouvoirs. On dit, oh, au village, il faut faire attention au mois de décembre. Les gens qui arrivent au village ne rentrent pas. Toi, tu arrives au village et tu rentres. Parce que tu n'es pas de la même espèce. Les gens ont peur de ta venue. Tu as une terreur pour l'enfer. Donne-moi ton meilleur amen. C'est très important que tu le saches. Tout pouvoir. Maintenant, sur le ciel et sur la terre. Et la Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tu nous fléchis dans les cieux. Sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Il ne faut pas avoir une vie où tu pries simplement parce que tu as des problèmes avec ton mari. Non, tu dois exprimer la vie divine. Ce n'est pas une affaire de petit mariage. Ça va au-delà de ce petit mariage. Il y a des choses plus puissantes. Tu es une ambassadrice de Dieu sur la terre des hommes. Tu es un ambassadeur. Ça va au-delà. Tu dois incarner cela. Refléter cela dans ta génération. Troisième point, nous sommes détenteurs des pouvoirs de la lumière. Des 12 pouvoirs. Je vous parle de 12 pouvoirs de la lumière. Détenteurs de 12 pouvoirs de la lumière. 12 pouvoirs. C'est une révélation que j'ai eue hier. Vous savez, la lumière a un pouvoir dictatorial, impérial et dominateur. La lumière a un pouvoir dictatorial, impérial et dominateur. Quand la lumière est quelque part, la lumière, ah, c'est dictateur. Vous avez l'obscurité dans la chambre, dès que la lumière vient, qu'est-ce qui se passe avec l'obscurité? Sans demander d'avis, ce n'est pas un pouvoir de négociation simplement. C'est un pouvoir dictatorial. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. Impérial. Dominateur. Même si les ténèbres veulent résister, la lumière s'impose. Dans 1 Thessaloniciens 5, 5, il est écrit, vous êtes des enfants de la lumière. Dis, je suis un enfant de lumière. Encore enfants de la lumière. Des enfants du jour et nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ça veut dire que tu n'appartiens pas au règne de Satan. Donc si tu n'es pas de la nuit ni des ténèbres et que tu es du jour, frère, je te donne une bonne parole. Aucune puissance des ténèbres ne pourra t'engloutir. Hey, reste calme, reste calme. Et ce n'est pas parce que tu dis amen simplement. C'est la révélation de la lumière qui est en toi. La lumière n'a pas besoin de prier pour que les ténèbres ne la touchent pas. Les gens pensent que Dieu les protège parce que j'ai prié pour que Dieu me protège. Non, la nature divine que tu as a déjà une certaine forme d'immunité, de protection contre ta vie. Personne ne pourra détruire. C'est ce que tu es. Tu vois, les gens, ils passent, oh oui, la meilleure façon de prier pour protéger sa maison contre les sorciers, c'est de prier de 1h du matin à 2h du matin. Frère, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on vit la vie avec Christ. Non, 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 non. Je ne vais pas être à 1h du matin en train de dire, je couvre ma fenêtre, je couvre la porte. Oh, oh, hey, oh, Seigneur, je couvre la porte, je couvre la porte. Je vais faire un son d'huile toutes les nuits dans ta maison. Tu es un esclave. Tu es un esclave.
Après, quand un démon est entré, oh, il est entré par où? Je n'avais pas fermé ici. Vous pensez que c'est comme ça? Je n'avais pas fermé ici. Ça, c'est l'ignorance. Ça, vous voyez, les gens, ils sont là. Oh, faites attention, les frères. Faites attention. Satan est en train d'attaquer. On va prier. Tac, 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 tac. Bombardez. Feu, 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 feu. Feu. Non, c'est pas comme ça. Je suis désolé. Je suis des frères et sœurs. Je vous parle en vérité. Regardez la vie des gens qui font ça. Regardez la misère qu'ils transportent. La souffrance de leur visage. Regardez comment ils sont. Des personnes craintives et apeurées. Oui, parce que les personnes n'ont pas compris ce que c'est. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de liberté, un royaume de domination. Jésus a restauré notre pouvoir. Un chef n'est pas un chiffon. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et je vais te dire quelque chose de puissant. Cette divine nature qui est en toi doit avoir de l'influence, même dans ton regard, même dans ta manière de te vêtir. Il y a des gens parmi vous, quand je vous vois habillé, vous avez encore des syndromes de l'esclavage. Même la coiffure. Il y a une manière d'être. Tu te lèves le matin. Quand tu sors de chez toi, même les oiseaux doivent être en train de regarder pour dire comment est-ce que notre mère t'a habillé ce matin. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est un spectacle. C'est un spectacle. Tu es un spectacle pour la terre. Un phénomène rare. Dieu sous forme humaine. Ça fait peur. Et en même temps, c'est à ti. Dieu sous forme humaine. Tu es un spectacle rare. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je suis tellement conscient de cette réalité que je repasse mes sous-vêtements avant de dormir. Si tu me suis pas maintenant le sommeil, c'est Dieu qui dort. C'est clair et net. C'est pas quelque chose à négocier. Nous incarnons la divinité. Que ce ne soit pas du simple bavardage. C'est ce que nous sommes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Nous sommes des enfants de la lumière. Matthieu 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est-à-dire, les gens sont obligés de te remarquer. Non, non, ce n'est pas une affaire de dire non, je n'ai pas envie de me faire voir. Non, non. Frère, quand il fait noir et que la lumière se lève, vous avez dit que la lumière veut se faire voir? La lumière n'est pas une entité cachable. Vous ne pouvez pas cacher la lumière. C'est pas, arrêtez-moi votre fausse humilité. La lumière n'est pas une entité cachable. Quand tu as la lumière de Dieu, même si tu t'assois au fond, les gens vont venir te chercher pour mettre devant. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu occupes la première place. C'est ce que nous sommes. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Donc je ne vis pas comme une souris qui se cache dans une maison. Ma place est sur la table. Quand n'en déplaise aux religieux, je ne suis pas là pour être sous la table, mais sur la table. Et ma lumière doit briller. Donne-moi ton meilleur amen. Je prophétise sur ta vie. Tu vas révéler la grandeur de Dieu à ta génération. Ta lumière doit briller. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Tu dois briller. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ça veut dire que ta vie est un miracle ambulant. Je suis un producteur de miracles rares. Donc quand on parle de miracles rares, ce n'est pas un slogan. C'est ta manière de vivre. Frères et sœurs, il faut qu'on arrête. Vous savez, oh non, vraiment, j'aime bien. Mais il est... Non, frère, c'est notre nature. C'est notre nature. La domination, notre partage, le règne de nos expériences quotidiennes. Alléluia. Et aucune intensité des ténèbres ne peut museler la lumière. Aucune intensité. J'ai entendu au nom de Dieu, que je respecte d'ailleurs beaucoup, dire attention, attention. Et quand vous parlez comme ça, les sorciers, on ne sait jamais, ils peuvent faire des choses. On ne sait jamais quoi. On ne sait jamais quoi. Qu'est-ce qu'on ne sait pas quoi? Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Demandez à ma mère qui est assise. Elle est partie quand on s'est converti. Elle est partie chez le barabou, Jambo, dont je vous parle souvent. Ah, je n'aime pas. Il m'avait mis des scarificatures sur la tête et je savais que c'était un escroc. Je n'étais pas né de nouveau, mais c'est avec ce gars-là. D'abord, il était vilain et je n'aimais pas. Donc, il nous a menés là-bas, mais moi, je n'aimais pas sa tête. D'accord? Et donc, elle est partie après, quand ma nouvelle est sans demander, elle a dit, bon, les enfants, là, ils sont dans quoi? Jean-Bois a secoué son tic, il dit, hey, madame, là, ils sont entrés, là, on ne peut rien, hein? C'est une autre dimension. Elle dit, c'est quoi? C'est une secte? Non, ce n'est pas une secte, ils sont dans le vrai. Là, ils sont là, c'est le vrai, c'est la puissance même. Là, c'est le vrai.
Ils sont là, et ça, c'est l'authentique. Vous savez, tu es entré dans une dimension, même les ténèbres témoignent de toi. Même le diable parle de toi. Le diable parle de toi et il dit, ah, ce gars est puissant. On jette les courriers, on te voit régner. On regarde l'horoscope, on te voit régner. Parce que c'est ta position. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Arrêtons cette manière d'aller à l'église qui consiste simplement à se comporter comme des rébus de la société. Les gens considèrent vraiment la terre comme étant une parenthèse accidentelle. Les frères, vous savez, n'entrez pas dans ces choses, ils sont charnels. Nous, on prépare le ciel, frère. Nous, on est au ciel. Il y a des gens qui peuvent voir. Les gars, ils pensent que je suis où? Je suis au ciel. Le problème, c'est ça. Le problème, ils comprennent. Nous, moi, je suis au ciel. C'est ce que je suis au ciel. Je suis déjà au ciel. Je suis au ciel. Vous ne pouvez pas être ambassadeur d'un pays si vous n'avez pas la nationalité. Ah, mais est-ce que c'est possible? Tu as déjà la nationalité. Frères et sœurs, je suis au ciel. Mais est-ce qu'on nomme ambassadeur d'un pays quelqu'un qui n'a pas la nationalité? C'est pas possible. Il faut avoir la citoyenneté pour être nommé ambassadeur. Et il faut connaître le courant de la politique de ton pays pour mieux représenter. Et vous savez, il y a ambassadeur et ambassadeur. On ne va pas traiter l'ambassadeur du Burundi ici comme l'ambassadeur des Amériques. L'ambassadeur américain, l'ambassadeur de France, on tremble devant eux. Parce que ce sont des puissances. Mais c'est des puissances humaines. Je suis ambassadeur de la plus grande puissance. La plus grande puissance, frère. La plus grande puissance. Frère, et je ne rigole pas. Ma maison a un drapeau. Il y a un drapeau qui flotte sur ma maison. Le drapeau de mon ambassade. Territoire inviolable. Quand tu entres chez moi, tu es entré au ciel. Ce n'est pas une affaire de battre au ciel. Chez moi, on est au ciel. Tu es torturé par les démons, tes nuits sont vraiment secouées par le mal, entre chez moi. Une nuit de sommeil, les démons s'en vont, ils déménagent. Ils ne peuvent pas rester parce que c'est une ambassade. C'est une terre consacrée, un territoire inviolable. Allez demander au gouvernant, il y a des incidences diplomatiques qu'il ne faut pas créer. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. C'est pourquoi tu ne peux pas rentrer chez toi avec les bagages à Côte d'Ivoire. Tu vas rentrer chez toi avec les bagages du ciel. La grâce en haut. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ce que nous sommes. Mais vous voyez, frère, heureusement, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon qu'il a fait de moi un témoin de miséricorde de sa puissance. Donc il m'a amené au milieu de toi dans toute sa faiblesse pour révéler la grandeur de son plan. Afin que si tu doutais par des écritures, que ma vie soit une preuve que ça marche. Il a fait la même chose pour Jésus. Il l'a mis dans les tables. Donc ce n'est pas parce que tu habites dans un entrecouché que ta divinité est contestée. C'est une question de nature. C'est une question de nature. Ce n'est qu'une question de temps. Je te garantis, ce n'est qu'une question de temps. Tu verras toi-même que le temps va révéler la grandeur de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Sois fidèle et tu verras. Dieu veut te donner un témoignage. Il ne veut pas te donner un carnet de lamentation. C'est un témoignage qu'il te donne. Arrête de pleurer et crois en lui. Pasteur, tu ne sais pas ce que je traverse. Je sais. Je sais. La grandeur de tes épreuves révèle la pertinence de la grandeur de ta destinée. Ta destinée est immense, puissante. Ce n'est pas tout le monde qui a attendu 25 ans comme Abraham. Parce que tout le monde ne devait pas donner Isaac. Faut bien comprendre ça. Je parle des vertus de la lumière. Je parle de la lumière. Quelqu'un dit lumière. Première chose, premier pouvoir de la lumière, c'est le pouvoir de la délivrance. La lumière en pouvoir de délivrance. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. Alors je déclare établi la fin du règne des ténèbres. Et ils s'en vont. Donne-moi ton meilleur amen. Deuxième pouvoir, le pouvoir d'élévation. Le pouvoir d'élévation. Quand la lumière est quelque part, l'élévation suit. Envoyé en dernier des lumières. Il ne pouvait pas rester en prison. Jamais. La lumière fait qu'aucune prison ne te retient. Tu es destiné pour le sommet. Donc c'est une puissance d'élévation, un pouvoir d'élévation. C'est un pouvoir de distinction. Même en prison, parmi les prisonniers, Daniel était chef. Daniel était chef. La lumière distingue. C'est un pouvoir immunitaire. La lumière te protège. La lumière te garde. Immunité, il y a une immunité dans la lumière. Jamais les ténèbres ne vont oser. Jamais.
C'est un crime de lèse-majesté que d'oser affronter la lumière en étant ténèbres. On est zigouillé, on est détruit, on est effacé, on est totalement. Hein? Il n'y a pas de mots, donc je vais. C'est un pouvoir, amen, puissant. Donne-moi ton meilleur amen. Ensuite, il y a le pouvoir d'accélération. Quelqu'un dit accélération. Pendant que tu dis accélération, je te vois accélérer. Je vois quelqu'un courir sous l'onction. L'accélération te saisit pour ta destinée au nom suprême de Jésus. Le pouvoir d'accélération. Accélère! Accélère! On ne peut pas avoir le pouvoir de la lumière et rester sur place. La lumière accélère. Ce sont des pouvoirs de sagesse. Quand on a la lumière, on est sage. Un pouvoir de sagesse. Ensuite, c'est un pouvoir d'intelligence. On comprend les choses. Les personnes éclairées comprennent les choses. Ils ne sont pas obscurcis, ils comprennent. Le pouvoir d'intelligence. C'est aussi un pouvoir de développement. Sans lumière, il n'y a pas d'industrie. Toute industrie fait appel à la lumière. Quand la lumière est quelque part, le développement suit. Donc c'est très important. Tu dis une lumière, la lumière, c'est le développement. C'est très important. Donc tu ne peux pas être quelqu'un de pas développé. Ce n'est pas vrai. C'est aussi un pouvoir de prééminence. La lumière te donne d'être au-dessus. Tu as toujours la tête, jamais la queue. La lumière t'élève, te distingue. Ce n'est pas une question de force, mais c'est ta lumière à l'intérieur qui t'élève. Ce sont des pouvoirs de règne. On ne peut pas régner sans la lumière. C'est pourquoi Satan, pour faire régner les gens, les a appelés frères de lumière. C'est une usurpation. Normalement, nous devons traduire en justice, hein, l'usurpation de ce titre qui est le nôtre. Maître, c'est une plainte qui mérite la peine d'être... Sérieusement, nous sommes nous les enfants de lumière. Toute autre personne qui s'appelle enfant de lumière, c'est l'usurpation. La lumière, c'est de nous. C'est ce qui nous donne de régner. Nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Le règne est à nous. Personne ne peut régner en dehors de la lumière. Ensuite, c'est un pouvoir de santé. La lumière te garde en bonne santé. En bonne santé. Et enfin, c'est un pouvoir de prospérité. La lumière te fait prospérer. 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 Et je termine en disant, le quatrième privilège, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as, voyez, la création te recherche parce que tu as un héritage. La création te recherche parce que tu as un héritage. La création te recherche. Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. On n'a pas dit que les hommes t'attendent, on dit la création t'attend. Les arbres, l'or, le diamant, le pétrole, le cacao, le bauxite, on dit la création t'attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Parce que la création avait perdu son maître, la création avait perdu son roi, mais la création attend. On a annoncé à la création que les fils reviennent pour régner. La création t'attend. La création attend. Attend la révélation des fils de Dieu. Galates 4, verset 7. Tu n'es plus esclave, mais fils. Dis, je ne suis plus esclave, mais fils. Encore, je ne suis plus. Non, déclare-le ta propre bouche. Je ne suis plus esclave, mais fils. Galates 4, verset 7. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez que ton père peut mourir, on te dit, il y a un héritage. Et quand vous ouvrez le testament, on dit, ton père est endetté. Il doit 14 millions à telle personne. Il avait payé avec quelqu'un comme ça, il a fui. On a maintenant l'héritage, tu dois payer. Ce n'est pas de cet héritage qu'il s'agit. On parle de l'héritage de Dieu. Dieu est puissant. Alléluia. Quelqu'un met sa main sur ta tête et dit, je suis un héritier béni. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Dans la Bible, dit nous sommes co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ, c'est-à-dire que l'héritage qui appartenait à Christ nous échoit. C'est à nous maintenant. Nous sommes co-héritiers. Donc tout ce qui était à Jésus est à nous. Parce que Jésus est le premier fils d'entre plusieurs frères. C'est à nous aujourd'hui que quelqu'un dit c'est à moi. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte,
L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ce que la Bible dit. Mais entre-temps, c'est lui qui doit recevoir, mais il est parti au ciel. Alors, s'il devait recevoir ça, et que nous sommes co-héritiers, ça appartient à qui aussi? À nous, le co-héritier, c'est que nous partageons cela, n'est-ce pas? Alors, regardez ce qui se passe. Quand Adam a péché, ce qui s'est passé, c'est que Adam a commis le péché. Ce qui a été la désobéissance à Dieu, il a introduit la loi du péché et de la mort. Il a donné donc, par sa désobéissance, le pouvoir au péché qui est la puissance qui nous pousse au mal et qui autorise le règne légal de Satan d'avoir une emprise sur tous les hommes. Alors c'est ainsi qu'après le péché, on a eu la maladie, la peur, la honte, les malédictions, la pauvreté, l'échec, la stérilité et les choses semblables. Mais tous se sont rattachés d'abord à la vie du pécheur, se sont rattachés à sa vie. Donc, ils le tiennent. Tenez-le bien. Tenez-le des deux mains. D'accord? Ils le tiennent donc. Donc, ils sont tous rattachés. Donc, s'il va à gauche, ils vont avec lui. S'il avance, ils vont avancer. Pourquoi? Parce que c'est son héritage, c'est son bagage. Est-ce que quelqu'un comprend? S'il revient de ce côté, il va revenir. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Il a subi ça. Voyez-vous? Maintenant, ça c'est ce que le pécheur doit subir. Mais entre-temps, Jésus-Christ s'est fait pécher. Il n'a pas péché. Il est mort, il a été jugé. Et on a donc constaté qu'il n'est pas commis de péché. Alors c'est pourquoi la Cour céleste de justice a rendu son verdict en disant que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Donc en ressuscitant des morts, cet agneau immolé est donc digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange, la santé, la faveur. Bref, toutes les bénédictions sont à l'agneau qui a été immolé. Donc l'agneau immolé est digne de recevoir, il est digne de recevoir justement toutes ces bénédictions. C'est l'agneau immolé. Mais entre-temps, il est au ciel. Et il dit, je partage mon héritage avec ceux qui croient en moi. Je partage mon héritage avec les rachetés. Alors le pécheur réalise que le bagage est trop lourd. Si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi. Alors il vient maintenant, il se met à genoux devant Jésus, il demande pardon pour ses péchés. Alors Jésus le reçoit et Jésus dit, ok, j'accepte. Il le relève. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus maintenant va dire, ok, comme tu m'acceptes dans ta vie, je te donne ma place. Je t'accorde ma justice. Alors, arrêtons-nous un moment, continue de porter. Romains 5, verset 17. Rapidement, s'il vous plaît. Romains 5, 17. Je veux que tout le monde voit. Romains 5, verset 17. Si par le fond d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Vous voyez que la justice ici, c'est un don. Il n'a rien fait, on lui a donné la justice. Et quand tu regardes la justice, reste d'abord là, vous voyez que vous avez l'impression de voir deux Jésus. N'est-ce pas? Alors, écoutez-moi attentivement, vous avez l'impression de voir deux Jésus. Parce que le don de la justice lui impute ce que Jésus a été. Donc maintenant, quand il marche dans la rue, quand il est quelque part, on ne voit plus lui, on voit Christ. Ce n'est plus lui, dont son identité d'avant est passée. Mais quand on regarde, c'est Jésus. Maintenant, Jésus dit, ok, comme tu l'as fait, moi je vais aller prendre ta place et toi tu prends la mienne. Donc, alors, comme il est né et que le bagage le poursuivait, maintenant Jésus dit, ok, moi j'ai payé pour que ce bagage n'ait plus d'influence sur les hommes, viens donc prendre ma place. Alors maintenant, l'héritage qu'est la puissance, la richesse, la gloire, la louange devient son héritage. Maintenant, s'il va à droite, alors voilà, ça le poursuit. S'il va à gauche, ça le poursuit à nouveau. Alors maintenant, les gens sont étonnés, n'est-ce pas? Le gars qui était toujours accompagné d'un bagage tout noir là, mais il a changé de camp. Il est entré dans une nouvelle dimension. Il est entré maintenant dans la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. C'est terminé maintenant. Alors c'est ça le problème. Alors si vous dites aux gens, oh, vous voyez, la manière, pour avoir ça, il faut faire ça. Non, c'est par la foi en cette position. Donc, de la même manière qu'il a subi la honte,
sans passer un concours, ne lui demandez pas de passer un concours pour bénéficier de la grâce. Mon frère, jouis de ta grâce. Que le bonheur, allez, jouis de ta grâce. Jus de ta grâce, jus de ta grâce. Acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. Parce que voilà autant de choses qui le poursuivent et qui l'accompagnent. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Dis encore Amen. Une troisième fois, Amen. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Que la richesse, la gloire, la louange soient ton partage. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Lève ta main vers le ciel et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la rédemption. Rends grâce à Dieu pour le pouvoir de la filiation. Alléluia. Stop. Arrêtez un moment. Lui, il est né de nouveau, d'accord? Il est devenu enfant de Dieu. Normalement là, c'est fils de Dieu. Donc, le pouvoir de la filiation, cet héritage appartient à ceux qui sont fils. Dans la maison du président de la République, vous n'allez pas demander aux gens vraiment pourquoi est-ce que le fils du président se promène avec un garde corps. Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Normal. C'est normal. Pourquoi? Il est fils du président. On est d'accord? Mais le président va quitter le pouvoir. Même s'il fait 5 mandats, un jour il part. On est d'accord? Voilà. Maintenant, vous dites, ok, le fils du président doit être protégé. Est-ce que le fils du roi du Maroc doit être protégé? Bien plus, dans la royauté, dès le bas âge, on commence à te montrer que tu es un roi. Donc, souvent même, tu vois le roi habillé, le fils est comme lui. On commence à lui dire, tu es un roi. Tu vois des vieux pères, devant un petit enfant, ils se baissent. C'est pas que c'est le fils du roi, et c'est votre futur roi. Vous le voulez ou pas, c'est votre roi. C'est ça, en fait. Alors, nous, on nous enlève ça de la tête. Mais nous, nous sommes fils de Dieu. Tu es devenu le fils du roi, celui qui doit régner. Donc pourquoi est-ce qu'on ne doit pas nous enseigner ça? C'est ça l'évangile. C'est ça ta position. Tu dois régner dans la vie. On est d'accord? Tu es fils de Dieu. Donc dès que tu prends conscience de cela, que la puissance, que la richesse, que la gloire, que l'honneur, que la louange, que la santé, que la faveur, que la bénédiction sont ton partage, ça devient plus simple. Parce que tu le sais au fond de toi que c'est à toi. Il n'y a pas une question de supplier Dieu pour te donner. Ça fait partie de ton héritage. Ça fait partie du package. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Je vais vous dire, frères et sœurs, il n'y a pas meilleur moyen de jouir de la grâce de Dieu que de croire en ce que je vous enseigne là. Que Dieu te bénisse richement. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, élève ta voix. Bénis le nom de ton Créateur, élève ta voix. Rends grâce à Dieu au nom suprême de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Randa cabro, sakatabro, doro babo, riakatabla. Shotoro baba, riakandara babo. Ende kebro, sakatabla, doro bobo, sakata. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Rends grâce à Dieu, élève ta voix, élève ta voix. Au nom suprême de Jésus. Alabo, kachata rababo, rondo komno no sakata. Rends grâce à Dieu, ribabo, sakata rababo. Rends grâce à Dieu pour ton identité en Christ. Rando kabro, sakata rando robaba. Raboro kasakate, rondo sakata rababa. Alors qu'on y est, je voudrais prier pour une catégorie de personnes. Premièrement, pour quelqu'un qui est ici et qui dit, j'ai envie de me réconcilier à Dieu. Je veux naître de nouveau. Je veux basculer de la loi du péché et de la mort à celui de la loi de l'esprit de vie à Christ Jésus. Voilà. Que la personne lève sa main. Si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, lève ta main. Lève ta main. Viens, viens, avance, avance. Viens, viens, viens. Avance ici, viens. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Viens, viens dans la présence de Dieu.
Je précise qu'on ne devient pas enfant de Dieu en entrant dans une église ou appartenant à une église. On devient enfant de Dieu parce que Dieu est entré en nous, parce que sa vie nous a été déposée. Alors tu es là ce matin et tu dis vraiment, j'ai envie de la vie de Dieu. Je veux vivre comme Dieu. Avance devant l'autel pendant que nous chantons. Dieu veut faire quelque chose avec ta vie. C'est le départ de quelque chose de nouveau. Avance devant l'autel, nous allons prier pour toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je te demande pardon, pardon, pardon. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Pardon Seigneur, pardonne-moi. Change mon cœur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi ta capacité, la capacité de vivre pour toi. Répands ta vie en moi. Je ne veux plus vivre comme j'étais. S'il te plaît, change-moi. Je veux t'appartenir, je veux te servir. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur pour le miracle de la nouvelle naissance dans leur cœur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Recevez ces fiches. On acclame le Seigneur. Recevez ces fiches. Rando cabro, monsieur Totoro. Chantons-le combien. Tandis que je priais hier, je voyais une grande lumière descendre du ciel. Que cette lumière pénètre encore davantage ton être et que par la puissance de sa vertu, la restauration soit totale dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je décrète déclarer ta vie. Que pendant que cette lumière se répand dans l'assemblée, elle agit puissamment. Que s'il y avait une quelconque chaîne de captivité, qu'elle soit totalement brisée au nom suprême de Jésus. Que les barrières des prisons soient éclatées sous la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Et que cette lumière t'introduise dans un autre palier de la jouissance, de la vie, du règne, de la domination au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen.